Ça qui passe bon, dans la vidéo, ça m'a montré nous une vidéo côté défunt président Jovenel Moïse t'a parlé sur ce dossier qui est vraiment sensible. Et me rappelle que il y a un monde qui va comprendre qui ça média, c'est pour n'y a plaqué vidéo ça. Tandis que l'aile de vivant, pas gain aucun média qui t'a lagué vidéo ça. Moi-même, pas plaqué vidéo dans le sens pour me faire views, pour me faire par exemple. Je plaqué vidéo dans cette façon côté que pour nous attendre, pour nous connaître qui ça nous perdit. Qui ça nous perdit. En tout cas, prends cette balle pour entendre des présidents qui t'a parlé sur dossier ça. Parce qu'il y a un pile de monde qui ne connaît rien de ce qui passe dans le pays. Même quoi que avec vidéo ça, au moins, n'a pas connu. Moi, songe, dans le mois de novembre 2017, je suis arrivé à Perrin. Je suis en visite de travail. Je suis un gros fonctionnaire international, qui travaille dans une grosse institution internationale qui t'accompagne. Les moins fini visite là, fonctionnaire ça regarde, il dit, président, est-ce que je garde un bagage? Je dis oui. Il m'a dit, est-ce qu'on comprend dans qui ça rentre là? Je vais l'expliquer. Je ne comprends pas parce que je fais monter président, je marche dans tout le trajet dans le pays. Je découvre l'usine qui est embarrassée. L'usine tout neuf, hein, qu'elle est achetée. Tout neuf. Côté, il y en a éliminé, il y a un cerveau. Commande des cerveaux. Réparer l'usine, ça. L'homme finit de réfléchir, dame m'a demandé pour l'expliquer. Mais dans la tête, moi, la travail, il dit que le secteur BTP, pour nous comprendre bien, BTP, c'est bâtiment et travaux publics. C'est une plus grosse mafia qui existait dans le monde. Pas moi, non, je cite le monde qui te dit ça. Corruption qui gagne dans ce secteur, ça. Pour aller virer contre. Et elle vire contre. Là, tout un missile avec une tête nucléaire pour venir détruire avec toute équipe. Là, tout un fouet cap calo ou pas pour écouter coup de fouet ou absorti. Moi, je suis vivre pendant 2 ans. Pays lock, instabilité politique. Pendant 3 fois. Gros acteur corrompu utiliser le peuple pour ouvrir la caille. Pour te faire connaître ça, que Vibre Guillaume, ça me connaît. Je dis dans la radio, dans la télévision. Mais grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, à moi là. Moi là, je continue à gommer parce que moi crois que c'est la corruption qui crée une grosse distance entre les gens qui sont riches en pile et ça qui est pauvre en pile. Tout pays qui pratique exclusion économique n'a jamais une stabilité sociale. Jamais. Ou l'État, c'est chercher bon genre équilibre dans les mesures économiques, la prend pour ni les gens qui sont riches, ni les gens qui sont pauvres, qui vivent ensemble dans une société qui chita sous équilibre. Ou l'État, c'est faire promotion justice et équité sociale. Rôle l'État, c'est pas mettre le bon côté monde qui est plus riche et abandonner si là yo qui est plus pauvre yo. Même gens, ou pas jamais tant de président Jovenel voyez monde qui pas de moyens à le craser, à le briser, à
al boule zafè moun ki gen moyen. C'est pour moun ki gen moyen ou vin gen plus moyen toujours. Mais si gen moun ki gen kòb l'état nan men yo, bien l'état nan men yo nan mauvais condition, n'ap retire l nan men yo pour nous vin mete l nan men peuple la. Président pa fache avò lè sa. Li pa gen kont avò. Li pa raye yo. Président gen problème ak sa w ap fè. Jan fèl ki pa normal. Même jan sa fèt nan zafè courant électrique nan peyi a. En novembre, disons pour plus précision, en octobre 2019, moi prends une grosse décision. Et puis après décision ça, nous connais, moi te dis, là le fait clair, il fait pinois. Si vous voulez manger un œuf, fruit, vous voulez manger omelette, faut casser les yeux. Ça veut dire de moi novembre 2019. Rive mwa août 2020, peya konen, un ouragan fè noa. Reform yo difisil. Peya plonge non fè noa kote, non tap travay pou nou retirel. Lè sa, mwen non m chanje sou rezo sosyo. Président Jovenel, machan blackout. Kote kouran, tout parol tap pale. Men jodi a m patan de yon. Parce que, quand côté dans le pays, il y a des gens courant, c'est les fêtes de décembre, les fêtes patronales, avec les présidents venir. Ça veut dire trois fois dans l'année. Et parfois deux fois, parce que le président va venir dans la zone Sahara chaque année. Je dis, la zone Sahara, il y a un courant 18 heures par jour. Je ne m'attends à rien dire. Pour que les gens comprennent que, sorti novembre 2019 pour arriver octobre 2020, ça fait 11 mois. Personne ne va dire rien sur la réforme qui commence. Mais là, ça pas bon. En plus, on l'a parlé. C'est pour ça que je dis, nous prenons une décision pour nous dire mettez courant dans le pays. C'est affaire tout le monde. Ce n'est pas affaire président Jovenel. Ce n'est pas affaire premier ministre, ministre, directeur. Généraux là, cadre dans la fonction publique là. Mettez courant ces affaires tout le monde. C'est pour ça, je prends une grosse décision ça. Pour me camper derrière toute autorité. Je vais parler de EDH, ANAC, travaux publics. Pour nous aller dans quatre coins du pays. Côté monde, pas imaginer nous t'es arrivé pour nous construire centrale électrique. Construire barrage, construire réseau électrique pour nous bailler masse là. Moun yo blié yo. Moun gen moun ki connaît yo, moun passé yo. Moun sa yo. Pour nous faire ouè courant. Même Jacques, tout moun. Mais pour le rive fait, faut nous couper mauvaises habitudes. Parce que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Mauvaises habitudes d'un coup, ou chita, koto ou chita. Et puis chaque mois, qui a un courant, qui n'a pas un courant, 12 millions, 7 millions, 3 millions. Ça, c'est mauvais mess. Ça, c'est mess côté de l'olévé qui a grand monde. Il y a douce mess, qui doit être longue. Il y a ta peau sous main. C'est mauvais mess. C'est mess, ça, nous-mêmes, je dis, nous disons tout le monde qui a une habitude, qui a mauvais mess, ça, quittez ça. Nous ne pouvons pas continuer parce que, avec 20 millions de dollars total, ça, que nous arrivons à joindre que EDH, ministère finance, trésor public, qu'on a subventionné, financé chaque mois, environ 250 millions de dollars par année, je dis à nous voulons convertir comme ça, même comme là, en courant. Nous voulons retirer le black out, l'argent ça, pour nous mettre le bail courant. Et c'est ça que nous commençons à faire. C'est pour ça. Si résultat nous qui commence à bailler, nous pouvons même arriver dans 8 millions de dollars dans l'agence. Ça veut dire actuellement, pour plus précis,
nous aux environs de 6 millions de dollars par mois. Dans même comme là. Ça veut dire qu'il y a 14 millions qui étaient toujours. Et nous travaillons pour 14 millions dépensés, mais pour le dépenser pour lumière, je veux dire. Pour payer arriver, il y a un courant 24 sur 24 parce que c'est ça que je dis. Et c'est ce que je fais. Parce que c'est ça que le pays a besoin. C'est le peuple a besoin. Avec même comme là. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Même 20 millions. Ça avec le travail. Nous commençons. Nous arrivons. J'aime dire nous, je dis à nous dans 6 millions. Nous connaissons la brise. Dans 20 millions. Mais là, ça a tout. Là, nous arrivons à dépenser 20 millions. Moi, quoi, réforme qui commence à faire. Non. Direction commerciale, électricité d'Haïti. Réforme qui commence à faire dans EDH en général. L'État pour avoir la capacité pour mettre bon jeu système sous pied pour le peuple là. Je dis à plus payer courant. Parce que il ne faut pas oublier, en pile monde a dit que le peuple n'a pas voulu payer, mais le système commercial EDH là tout, il faut réorganiser, il faut lever pied. Si on ne peut pas compter la caille, comment on va demander pour le payer courant? Si moun nan pa recevon facture électronique sur téléphone ni, gardez combien de téléphones qui viennent dans le pays aujourd'hui. Pour qui sa facture oblige à faire avec papier toujours? Pour qui sa abonne moun sa qui abonne à EDH chaque mois pa recevon message qui dit qu'on doit tant l'argent à le payer le côté que ou bien tout payer sur téléphone ou avec mon cash, avec tout notre système qui vient yo. Monnaie digitale m'te vin nan yon gros rencontre ici là. Dans la Banque centrale, moi gouverneur a parlé des affaires monnaie digitale. Pour qui ça aujourd'hui EDH pas chita avec Banque centrale, BNC, pour monnaie digitale, ça, pour le vivre en réalité. Pour qu'on leve la caillou, son message ou joigne. Et puis sur téléphone ou même, ou payer courant. C'est là ça, m'a comprendre que EDH a dit moun yo, faut que payer courant. Il y a payé moun qui vient compter, il faut que payer. Je ne dis pas que les gens qui ont un compte pour nous rester la caille pour ne pas le payer. Mais les gens qui ont un compte, il faut aider à ce travail pour payer le compte. Soit le compte qui marche avec le système prépayé, qui est important, moi c'est ça, tout le monde a parlé de lui. Et soit il y a des zones d'où que nous sommes obligés de commencer à mettre le compte pour se payer. Mais côté, nous avons mis la technologie pour que nous soyons capables de jouer une facturation à temps et payer courant. Comme ça doit, pour faire que...